Bienvenue au premier épisode officiel de Cornet.tv, la chaîne dédiée à la nouvelle écurie de Formule 1, Cornet Québec Racing. En ce début de saison 2022, les pilotes se retrouvaient tous au même point de départ et chaque écurie devait prouver sa capacité d'adaptation face aux nouvelles réglementations pour cette nouvelle saison de Formule 1. L'action prenait place au Grand Prix de Bahreïn, un circuit connu récemment suite à l'accident de Romain Grosjean en 2020. Il s'agissait aussi de la première course pour Verstappen avec le numéro 1 au lieu du 33 suite à sa conquête du titre de champion du monde. La pression était spécialement sur lui, connaissant la fin dramatique qu'il y a eu entre lui et Lewis Hamilton au dernier tour à Abu Dhabi. Pour Cornet Québec Racing, Cornet et Villeneuve avaient l'opportunité de chambouler le classement. Il s'agissait d'un premier Grand Prix pour Jacques depuis 2006, alors que Jean Simon n'avait que 15 ans. Lors de la première séance de qualification, Cornet termina en 12e place, alors que son coéquipier fut exclu de la seconde séance avec un temps identique au Français Pierre Gasly. Toute une déception pour l'ex-champion du monde qui espérait bien passer à la Q2. Lors de la deuxième séance, Jean Simon perdit le contrôle de sa voiture et ne put faire mieux que la 13e place avec un chrono de 1 minute 30 secondes et 5 dixièmes. No more testing! No more practice. This is the real deal, and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36-mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and it could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And a very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, and Sir Lewis Hamilton, and Russell, Bottas, Mick Schumacher, Magnussen, and Lando Norris, Ocon, Vettel, Joker, and Gasly, Albon, Tsunoda, Jacques Villeneuve, and Daniel Ricciardo, Stroll, Fernando Alonso, Joe, and Nicholas Latifi. With preparations almost complete, let's head down to the track. A new season, then a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Here we go then, the formation lap is underway and the track temperature looks warm. That may or may not play into some of the team's hands in today's race. As the cars come back towards the grid to line up for the start of the race, each driver will be wanting to get the best start they possibly can. And they'll be hoping to finish today's race on the podium, failing that, within the points. Pour la première étape de la saison, nous avons eu droit à un départ compliqué de la part de Cornet, qui a quand même été en mesure de surprendre et prendre la sixième place avant la fin du premier tour. Quant à Villeneuve, ce ne fut pas le départ espéré, alors qu'il se retrouvait en 17e place
suite à l'arrêt au stand de Leclerc et Vettel pour un changement d'aileron avant. Lors du deuxième tour, Alonso et Latifi furent poussés vers l'extérieur de la piste, un à la suite de l'autre, lors du tournant numéro 10. Aucune pénalité ne sera décernée. Lors du troisième tour, Cornet, avec l'aide du DRS, dépassa Valtteri Bottas. Il était dorénavant dans le top 5, pendant que Villeneuve avait de la difficulté à remonter le peloton. Au cinquième tour, le désastre se poursuivait pour Latifi après ce tête-à-queue pour commencer l'année. Sur un autre sujet, le duel Russell-Bottas fut intéressant, sachant l'historique des deux pilotes. Même si Russell possédait une meilleure monoplace que Bottas, tous les fans de Formule 1 se demandaient si Mercedes avait fait le bon choix en remplaçant le Finlandais par ce jeune Britannique. Seul l'avenir nous le dira. Seul pilote ayant débuté avec des pneus tendres, Jean-Simon Cornet effectuait son premier arrêt au stand de la course. Ce fut avec surprise qu'il ressortit avec des pneus médiums, l'obligeant à faire un deuxième arrêt plus tard dans la course. Il se retrouvait en 18e place. Déception pour le japonais Yuki Tsunoda, qui a dû abandonner au début du 10e tour alors que son moteur a rendu l'âme. Au 14e tour, Jacques Villeneuve fit son premier arrêt au stand pour des pneus durs. Il en ressortit derrière Leclerc en 15e place. Désastre chez Cornet Quebec Racing alors que Villeneuve retourna au stand pour changer un aileron endommagé. À ce stade-ci de la course, cela voulait dire aucune chance de points pour le numéro 12. 23e tour, et qui d'autre que Villeneuve pour faire un troisième arrêt au stand. Curieuse stratégie alors qu'il changea ses gommes tendres pour des tendres encore plus neufs. Lors du 25e tour, Albon avec sa Williams réalisa une fausse manœuvre qui allait permettre à Villeneuve de le dépasser. Avec 3 tours à faire à la course, Bottas a su rattraper Cornet qui était pourtant 6 secondes devant lui. Dès le début du 27e tour, Bottas, aidé par le DRS, tenta de dépasser Cornet, mais il bloqua la roue avant-gauche, permettant au Québécois de reprendre sa position, une erreur qui pourrait s'avérer coûteuse pour le pilote finlandais. Dernier tour du Grand Prix de Bahreïn et le duel entre Bottas-Cornet ne pouvait qu'être des plus intenses, une bataille digne de mention entre le Finlandais et le Québécois pendant que Max Verstappen remportait son premier Grand Prix de la saison. Même avec quelques tournants restants, Valtteri Bottas tenta de dépasser la jeune recrue par tous les moyens, mais en vain. Le Québécois réussit une intelligente manœuvre alors que l'aspiration avait permis à l'Alfa Romeo de prendre les devants. Avec ce switchback, Jean-Simon sécurisait sa 6e place avec des gommes extrêmement usées. Tout un spectacle ce fut. D'ailleurs, le Québécois recevra la mention de pilote du jour avec un gain de 7 positions. Smiling faces on the pit wall then after that superb win here at Sakhir. And rightly so, a brilliant effort from the whole team. What do you think it was today, Ant, that gave them the edge over the competition? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport.
Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Performance impeccable de Verstappen qui a mené la course du début jusqu'à la fin devant Sainz et son coéquipier Perez. Cornet récolte 8 points, ses premiers points en carrière et de son écurie également. Mick Schumacher récolte aussi son premier point en carrière avec sa 10e place. De plus, Red Bull domine de 19 points face à Ferrari et Mercedes. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Cornet.tv. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Prochaine destination, Jeddah.